Oui, là on m'entend, c'est mieux. Bonjour à toutes et à tous, coucou Niani. Coucou le chat. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Est-ce que vous êtes ok? Mes chers amis, nous avons un régisseur professionnel. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de faire un setup. Et comme vous le savez, tout marchait bien juste avant de lancer le stream. Et d'un coup... Je voulais le truc en HD, je l'avais pas. Je l'ai pas là. Va régler ça. Son du jeu un peu fort par rapport à moi. Parce que là c'est mieux. Est-ce que vous savez, hein, les problèmes de jeu. Non, c'est pas mieux. C'est certes. Ah, je sais. Faut baisser là des stop. Ouais, voilà. C'est... Et je l'avais un petit peu décalé, je crois, en double décalé le son. Un peu des stop audio. Là, ouais. Là je pense que c'est bien. Et moi je suis un poil trop fort encore. Non là c'est... Ouais, c'est un vieux prof. C'est un prof. J'espère que tout va bien. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si ça va. On a quelque chose qui nous à deux fois de battre Valou. Ce serait un upset, hein, surtout parce que tout ça, vous savez, une fois que c'est bon. Ice Climber. Oui, non, très beau sweet spot. Pour les Smash Bros. Le grab, très spécial, le box et la randonne. Patate. Flo la stop. Est-ce que vous pouvez essayer les casques là? Voir si c'est décalé. C'est le son du commentaire. Ok. Le son du bureau. Ok. Ah, ça a l'air bien. Ouais, le fait que je... Alors, attends, il y a la section pro. Allo, allo, allo. Ah, voilà, là je suis là, je suis là, je suis présent, je suis dans la salle. Ah oui, on m'entend. Et ça, c'est le son du bureau, ok. Ça, je sais pas ce que c'est. Ok, on est parti ici, sur le counter-pick de Valoubalou. Yoshi Story pour vite le mettre en edgeguard, et bien ses chers ICs, et bien quelques shines suffisent à les mettre hors d'état de nuire. Il a pris un premier lead, hein. Allez Valou, dit-on dans le chat. No IC lovers, apparently. Peut-être par... Non, on drop l'edgeguard d'ailleurs.
Katusas qui a gardé le tag Hit de Minari. Hit contre Toad, la chaleur contre le drapeau. Et grosse avance hein, du côté de Volubalou ici sur son compteur. On voit que ça paye. On donne pas mal au backer. On n'a pas trop les shines visiblement pour séparer la A6. Pas besoin. On va directement pour Nana, la primary target. Ouh, le premier chaîne qui est trouvé. On drift beaucoup trop lent pour avoir un follow-up. Et le random down smash qui tue ici. Pour la première fois, ce Fox. Et ça bourre vraiment les smashs du côté de Katusas. Ça, le Celtic Jutsu est très fort dans ce dojo du Nord, ici. Ouais, là, ça commence à devenir un petit peu très visible et fort finissable. Forcément. Ok, Nana qui joue bien. Vous savez, hein, les coups sont un peu random et plus les pourcentages sur Nana sont élevés, plus le CPU qui joue le deuxième I6 est fort. Il y a des pourcentages à partir desquels il peut DI, il va grave ou faire quelque chose, etc. On échappe de peu à ce shine ici. On attend un petit peu trop là sans crash cancel, du coup on se fait avoir dans le side, c'est dommage. Le reverse smash, ok, possibilité d'edge guard, dommage Nana qui n'a pas couvert la side platform avec un back air. Et le jab, up smash, qui clôt la deuxième game, un partout ici. Bien joué Valu. Good job Valu. Ok, on va aller. Super Smash Bros le vrai. Ah bah oui. Et il y a Smash dans le jeu, c'est bon. Hein. Ah c'est à moi qu'il faut demander, hein. C'est pas aux joueurs qui jouent en match. Hein. Ah mais il faut demander quand même à moi. Ouais. Yo Pépi. Comment ça va? Dites-moi hein, si tout est bon au niveau du son. Désolé, on n'a pas réussi du tout à setup correctement la HD là pour le stream. En fait, on a réussi, on a réussi le stream. On a tout fait, hein, on a contacté les meilleurs marabouts de notre région. Shava, niveau son, c'est ok. Ah, ça veut dire que c'est de la merde. Vous savez, moi, c'est plutôt rien. Oui, c'est dommage, c'est une malheureuse SD ici. Pépi qui soutient les ICs. Let's go ICs. Ok, le F smash ici qui tue et qui égalise. Let's go. Et c'est marrant parce que Valou c'est vraiment un Fox qui va grab pas mal zone avec des backers et il va très très peu shine, il va très très peu run shine. Ok, il a réussi à choper cette up smash, mais finalement pas besoin de shine, hein. Il va monter le pourcentage et tuer à la régulière. Et cette fois-ci, le truc qui est cramé. Ok, on va revenir, on se reprend en up smash, on prend l'edge, non, on prend pas l'edge, on manque les up smash. Le stick set de Katusha, ce qui visiblement marche très bien. Valou fan. Nani à fond pour Valou. À fond pour le crapaud. C'est tendu. Valou qui se met encore dans tout ça. Il chope un grab up smash. Pardon. J'ai jamais vu autant de grabs dans contre des ICs. Cet homme va choper des choses qu'on ne soupçonne même pas. Bonne patience ici, on a revu la roll. Mais alors on a juste pris le coup dash attack. Le nerf qui met off stage. Ici on tue Nana pour God Measure. Et on envoie et bien l'autre le rejoindre. Au paradis des ICs. C'est encore faisable, hein. C'est encore faisable. Katusas peut le faire. Valou est un petit peu sidotique. Oh, bien vu, la dash attack follow-up ici par un smash. Est-ce qu'on va retenter l'exploit ici? Non. On fait pas mal roll, hein, juste avec des aérioles. Oh, bien vu ici, tentative d'edge guard et on va straight to stage into straight to the blast zone. Ok, le grab qui est trouvé ici. Nana, le up smash qui tue. GG.
Katsushas qui éructe. Il lance sa manette